Voilà ce que c'est un derby. Et aujourd'hui on doit le mettre, on doit le montrer. Je veux 14 guerriers. Je vais pas trop parler de tactique, Gérard va revenir là-dessus. Aujourd'hui, des hommes, des gladiateurs. S'il y en a un qui n'est pas capable de me dire je vais me vider 90 minutes ou 10 minutes, qu'il me le dise tout de suite. Il sera franc au moins. Je veux qu'on lâche tout aujourd'hui. Je veux qu'on vous porte pour sortir du terrain. Je veux que vous soyez morts. Tout lâcher. On ne peut pas tricher. Allez. Plus le temps il a passé, plus on a commencé à être étiré, d'accord ? Et plus on a commencé à vouloir jouer comme on fait sur certaines surfaces, c'est-à-dire d'essayer de trouver du jeu à l'intérieur, des passes claquées dans l'intervalle. Et c'est compliqué aujourd'hui. S'il y a un intervalle énorme qu'on est capable de le faire, il faut faire, parce que ça va casser une ligne et on va être dans ce qu'on veut faire. Par contre, si on commence à faire des passes latérales, des passes à moitié, de trouver un joueur d'au jeu, Mar, il décroche, Steve, il décroche, non. S'il est dans une zone libre et qu'on peut le trouver, qu'il peut jouer vers l'avant, ok. Par contre, si on les trouve deux jeux, on va se foutre en difficulté. Il y a 3 points, c'est tout. Donc, on baisse pas physiquement. On reste intelligent, on commence pas à parler. Plus le temps il va passer, plus ça va râler sur le côté, ça va râler sur le banc, ça va chauffer l'arbitre. On reste dans ce qu'on a fait là. Solidaire, vous avez pas le droit à 1-0 à la mi-temps de pas sortir avec les 3 points. C'est pas possible. D'accord? Solidaire, intelligent, fort dans le duel. Et puis, il y a des gars qui vont rentrer, qui vont nous apporter un plus. Ok les mecs? Allez, c'est reparti. Allez,
Du football club Balkan Genois, devant l'entente sportive de Team. Le deuxième but nous tue. On savait qu'on devait tenir les 10 premières minutes, ne pas prendre ce deuxième but. 1-0, on était toujours vivant. À 2-0, voilà, la différence est trop grande. On peut féliciter Pierre de sa victoire qui a été supérieure dans beaucoup de compartiments de jeu, dans l'impact. Voilà, c'est une équipe qui nous est supérieure, il faut relativiser. La physionomie du match, voilà, on a réussi à gérer les 2-3 temps forts de Villerue, notamment sur la première période où ils ont 2-3 situations sur des déviations où on gère mal la profondeur. Après, je pense qu'on a fait une très grosse deuxième mi-temps et l'équipe a été suffisamment intelligente justement pour marquer dans les temps forts.